J'ai jamais revu ces images. Hein. Ça fait un choc. Hein. Mais je comprends. Là, je vise les Jeux Olympiques de Séoul. Bon, il y a les Jeux Méditerranéens au mois de septembre en Syrie. Bah, déjà, le personnage a changé déjà. C'est... au niveau de la musculature, déjà, c'est impressionnant. Hein. Mais c'est vrai que les entraînements qu'on avait, évidemment, on est obligé d'avoir des cuisses comme ça. Puis le dos aussi, hein, parce que l'haltérophilie, bah, c'est beaucoup les cuisses et les lombaires, le bas du dos, hein, qui interviennent. Hein. Au départ, moi, c'était plus pour me muscler, parce que j'étais pas très grand. Enfin, je fais 1m58 et demi. J'étais pas très grand, mais j'avais envie de me muscler. Quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé vers l'haltérophilie, en pensant devenir avec des gros muscles, mais ça n'avait complètement rien à voir. Laurent Fombertas a enchaîné titres et records tricolores dans les années 80-90, une médaille de bronze au championnat d'Europe de 89 et deux participations aux Jeux Olympiques de Séoul et Barcelone où le Mayennais finira au pied du podium. Alors à l'approche des Jeux Olympiques, c'est une nouvelle génération qui apparaît, plus saine, je l'espère. Dans ce contexte très relevé, le Français Laurent Fombertas s'accroche, lui, pour soulever 142,5 kg. Lors de sa participation au championnat du monde de 91, Pierre Fula, ancien haltérophile devenu journaliste, est au commentaire. Mais il demeure quand même le meilleur européen dans ce concours. C'est vrai que c'est difficile d'affronter des gens qui sont dopés. Donc, et puis en France, si on était pris à l'époque, on était radié définitivement. Donc on savait à quoi s'en tenir. Quoi, donc. Moi j'ai fait ces performances-là avec mes tripes, hein, comme on dit. Hein. Voilà. Et j'en suis fier aujourd'hui parce que je sais qu'avec le recul que j'ai maintenant, je les ai fait voilà, avec le courage et puis l'envie. Début de l'haltérophilie à Évron. Les compétitions de par le monde et retour à Évron. À la mairie qu'il a salarié du temps de sa carrière sportive, Laurent Fombertas est revenu aujourd'hui en qualité de directeur des sports. Tout ce que j'ai fait sur les plateaux de compétition, bah, ça m'a aussi, dans la vie d'aujourd'hui, ça me sert. Hein. Ça me permet aussi de me concentrer des fois aussi sur certains dossiers et puis de pouvoir aboutir et puis de suivre des chantiers comme la nouvelle salle de sport aujourd'hui. Et c'est très intéressant. Quand son travail lui laisse du temps, Laurent Fombertas s'adonne à l'équitation. Mais promis, cela reste en amateur.